Bonjour et merci de m'avoir invité. Je me suis demandé s'il fallait que je remercie pour l'invitation, vu ce qu'on m'avait demandé de faire. On les compte, traitement et prévention des exacerbations, 20 minutes. Démerdons zizich. Alors, ce matin, on a fait l'atelier déjà sur la VNI en aigu. Puis en ayant écouté Ali Betrader tout à l'heure, j'étais très content parce que j'ai dit ça va, il m'a bien dégagé le terrain. Il s'est percuté les labas, les machins, le truc. Il l'a fait très très bien. Je veux dire, je m'en doutais d'ailleurs. Donc je me suis dit, il me laisse tranquille pour le reste. Et le reste, c'est quoi? Ben, c'est le traitement et la prévention des exacerbations aiguës, quand on sait l'importance que ça a. Alors je vais être obligé de faire des choix. Hein. Je ne vais pas tout vous traiter, mais je veux dire, en fonction de quoi j'ai fait quelques choix. Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est de laisser passer trois ou quatre messages avec où est la problématique. Donc, oui, je vais essayer de parler dans le micro. Donc, le traitement et la prévention. Alors, qu'est-ce que nous dit l'HAS? Elle nous dit que les exacerbations sont des complications fréquentes de la BPCO qui altèrent la qualité de vie, accélèrent le déclin de la fonction respiratoire. Enfin, c'est l'horreur, hein. Ça fait 95 000 personnes en 2011, 43% des patients réhospitalisés dans l'année. Et elle n'ose pas l'écrire, mais grosso modo, ça coûte vachement cher. Hein. Ça ne fait pas que tuer, en plus, ça nous coûte un pognon fou. Hein. Donc ça intéresse énormément l'HAS, hein, parce que l'HAS, finalement, c'est nous hein, qui se réunissent et puis qui donnent des... Alors c'est effectivement reconnu, clairement, alors je suis allé rapidement dans la littérature, c'est effectivement reconnu, sans problème. Hein. Dans une étude prospective, j'ai pris que celle-là, suivie sur 5 ans, 3 exacerbations au plus par an, 4 fois plus de risques de mourir que ceux qui ne les ont pas fait. C'est en train de vous dire, en fait, que plus un malade est grave et plus il risque de mourir. C'est pas, hein, je veux dire, puisqu'il fait des exacerbations sans arrêt. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'exacerbation? Est-ce que tu le sais, toi, parce que ça fait quand même 40 ans que tu en soignes maintenant, et comment tu fais? Donc ben, j'allais voir à l'HAS, parce qu'à l'HAS, ça fait un truc très bien sur l'exacerbation et la prise en charge des BPCO. Et donc, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Bon, alors, vous allez avoir un petit peu de mal, alors je vais vous aider, hein, parce qu'on ne va pas tout faire. Mais enfin, en gros, pour résumer le schéma qu'on fait, qu'il faut diagnostiquer l'exacerbation, évaluer sa gravité pour savoir s'il faut traiter à domicile ou hospitaliser. Évaluer l'évolution sous traitement, est-ce que ça s'aggrave ou est-ce que ça guérit? Et enfin, prévenir les récidives. C'est exactement la problématique qui nous a été donnée tout à l'heure. On classe les malades, mais le problème, c'est que vous savez, ils bougent toujours. C'est comme quand vous voulez compter un troupeau, hein, vous dire, les moutons, ils bougent. Donc, si en plus vous comptez les bêtes et que vous divisez par 4, vous allez avoir beaucoup de mal. Alors, comment diagnostiquer une exacerbation? Prenons les bases, ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, en gros. Ouais. Qui est le juge, a priori? Deux, il y a une exacerbation. Problème sur lequel on reviendra parce qu'il n'est pas simple. Le gold standard, je vais vous dire ce que c'est un pneumologue hein, ou un médecin averti en médecine. Parce que vous verrez que quand on est dans les papiers sur l'exacerbation, c'est comparé par rapport à pneumologue qui a dit ça c'en est une et ça c'en est pas, ou ça c'en est une grave ou pas grave. Donc il faut le savoir. Donc nous sommes le gold standard. Alors à partir de quoi nous avons construit notre culture? On l'a construite, enfin en tout cas moi, quand j'étais petit, j'ai construit ça à partir des fameux critères d'Antonissen. Je ne sais pas si vous vous souvenez des critères d'Antonissen. C'était les critères. Ils sont pas si mal que ça, les critères d'Antonissen. Hein. C'était des critères qui étaient faits pour décider si on mettait les antibiotiques et à qui. Donc ça a été publié, vous voyez, en 87. Hein. Et c'était. Moi, j'ai trouvé que c'est presque ce qu'il y a de plus intelligent dans la pratique clinique. Hein. On évalue la dyspnée, le volume de l'expectoration, sa purulence. Si on a les trois qui ont augmenté, c'est vraiment une exacerbation. S'il y a que deux symptômes qui sont présents, et puis c'est le type 2. Puis un type 3, c'est un seul symptôme, mais accompagné par d'autres manifestations. L'affection des voies aériennes supérieures, vous savez, ça commence par le virus qui vous attaque, ou la fièvre inexpliquée, l'augmentation de la sibilance. Donc il y a un coup de stéto là-dedans, ça me va bien, ça c'est de la médecine. Hein. Donc savoir s'il y a une accélération de la fréquence cardiaque ou respiratoire, voilà ça. Et moi, pneumologue, je dis, ben, ça c'est une exacerbation. Alors, c'est quoi en fait hein? C'est très ancien comme définition, c'est orienté antibiotique, mais c'est pas si mal. Et le mécanisme de l'aggravation de l'exacerbation, c'est quoi si vous réfléchissez? Ben, c'est une augmentation de l'inflammation et de l'obstruction des voies aériennes supérieures qui se rétrécissent, soit sous l'effet d'une infection virale ou bactérienne, soit sous l'effet de la pollution, qu'elle soit tabagique, forcenée ou bien extérieure. Et puis, une diminution des débits expiratoires, une hyperinflation dynamique, une augmentation du travail respiratoire. Et alors, tout ça se fait de telle façon que, grosso modo, on est en train de vous attaquer, vous avez besoin de travailler plus avec vos muscles, et à ce moment-là, il y a moins de carburant, c'est-à-dire moins d'oxygène, plus de gaz carbonique, et vous avez un risque d'insuffisance respiratoire aiguë. Alors, l'exacerbation, finalement, qu'est-ce qui est important? C'est le risque déjà immédiat. C'est pas seulement le risque de j'en ai fait deux ou trois ou quatre et donc je mourrai plus tôt. C'est est-ce que je vais pas mourir tout de suite?
Alors, quel est le traitement médical pour une exacerbation? On va le faire à toute vitesse, parce que vous le faites tous, hein, mais qu'est-ce qu'on peut tirer rapidement de la littérature pour chacun des éléments qui nous sont recommandés, hein? Parce que ce n'est pas venu du ciel, ça. Alors, regardez, ça, c'est la première partie du traitement. Là, hein, oui. D'abord, vous avez tout le traitement médical qui est marqué, là. Augmentation des doses de bêta 2, évaluation de la prednisolone et la durée du traitement, prise en charge d'un éventuel tabagisme. Allons-y, commençons. Aérosol bronchodilatateur. Ils peuvent se faire aussi bien, alors oui, c'est la partie là, à domicile qu'en hospitalisation. C'est vrai, vous pouvez, en tout cas en France, on a le pouvoir en tant que pneumologue de renforcer, de les donner en aérosol avec un aérosol pneumatique qui donne la bonne granulométrie et on leur dit, vous allez prendre ça, ça va être mieux que de faire pchit-pchit avec des machines faites pour ça ou une chambre d'inhalation et vous n'aurez pas d'effort à faire. Donc tout ça, il n'y a pas de problème. Ça repose hein, sur des études randomisées, contrôlées, vous voyez, parues dans le chest en 2005 ou dans Respiratory Care en 2008. Donc ça, on sait le faire. Deuxième arme que vous avez à votre disposition en médicaments, les corticoïdes. Ah, les corticoïdes. Bon, bah écoutez, là, il n'y a pas trop de problèmes. Et d'ailleurs, Ali l'a dit tout à l'heure. Hein, bon, les corticoïdes, c'est terrible parce qu'est-ce que ça donne des effets... corticoïdes par voie générale, hein, je veux dire. Est-ce que ça donne des effets secondaires? Ben oui, on sait tous que quand on met les malades aux corticoïdes au long cours, ils sont très contents, mais ils finissent par s'écraser les os, faire du diabète, de l'hypokaliémie et tout le farat. Mais enfin, clairement, les données pendant 7 à 10 jours et pas plus... Chez les patients qui sont les plus menacés, eh ben, ça fait améliorer la rapidité d'évolution sans courir de risques supplémentaires. Alors vous allez me dire après, mais à qui je les donne ça? Ah, au plus grave. Moi, je vais vous dire, je les donne à ceux qui sifflent un peu. Hein. J'arrête le débat à me dire, est-ce qu'il a un as, une labale, le truc, le machin, etc. Il sifflote. Bon, ok, allez, on va lui mettre des corticoïdes, je crois que ça va aider. Hein, ok. On le fait, je suis désolé, on le fait tous. Hein. Faut arrêter de se raconter des histoires. Et en plus, ça marche. Si on le fait 7 jours, on ne va pas tuer notre malade. Donc, on est très content. Ça améliore la rapidité d'évolution. Mais il y a quand même des papiers qui disent. Bon, ah, troisième problème, Anthony Sod, les antibiotiques. Et quels antibiotiques? Ah oui, on est dans la clinique, là. La purulence franche de l'expectoration et dyspnée au moindre effort, choix de l'antibiotique. Alors, il y a des choix. Hein, qu'on nous recommande, que vous voyez ici. Alors, vous voyez, si vous avez moins de 65 ans, vous avez droit à un macrolide. On ne voit pas très bien, hein, c'est dommage. Hein, bon, ouais. Ou si le VMS est supérieur à 50%, ou alors une deuxième génération de céphalosporine. Moi, je trouve que même déjà, tout ça, ça pourrait se discuter. Hein. Enfin, on passe rapidement au quinolone. Hein. Et puis, alors, si on a un pio qui colonise, alors là, on commence à se faire du souci. En fait, la vérité vraie, c'est que si votre patient a déjà reçu un antibiotique qui ne marchait pas, vous allez en donner un deuxième. Voilà la vraie vie. Hein. Et en essayant d'élargir le spectre, parce que vous ne savez pas quel germe vous avez à faire, et vous êtes drôlement embêté. Mais enfin, on les utilise. Alors, on va tomber maintenant sur le vrai problème. Parce que ce que je vous ai dit là, je ne vous ai strictement rien appris, c'est tout ce que vous faites, et vous avez raison de le faire. Est-ce que j'hospitalise mon malade ou pas? That is the big and verifical vraie question. Hein. Dois-je le mettre à l'hôpital ou pas? Alors, il y a des critères d'hospitalisation dans le truc de l'HAS. Il n'y a pas de problème, vous avez des critères. Tenez, les voilà, vous avez été sage, je vous l'ai dit. Sujet âgé, plus de 70 ans. J'ai plus de 70 ans, vieux. Allô, stop. Hein? Présence de comorbidité. C'est simple. J'en avais à peu près simple. Passez-moi votre ordonnance. Ah ouais, vous avez de la tension, un petit peu de diabète. Allô, stop. Troisième critère, pas finalement. BPCO sévère. Ah, là, il faut être passé par... Déjà à Lille pour savoir dans le Gold où est-ce que vous êtes, etc. Est-ce que vous êtes, en fait, en gros, est-ce que vous êtes un BPCO qui a déjà été exploré ou pas? Là, c'est un problème. Hein. Parce que est-ce que vous avez une sale tête parce que vous êtes un BPCO sévère ou est-ce que vous avez une sale tête parce que, autre critère, vous êtes en train de dégrader rapide? C'est quoi une dégradation rapide? C'est quelqu'un qui est très mal de base et qui va tout de suite très très mal ou c'est quelqu'un qui n'était pas si mal que ça? On commence à avoir des nuances d'interrogatoire qui ne sont pas si simples que ça. Augmentation marquée des symptômes. C'est quoi une augmentation marquée des symptômes? Vous voyez, c'est compliqué, hein? On va pas pouvoir se passer un pneumologue, je veux dire, et qui interroge bien son patient s'il peut répondre. S'il ne peut pas répondre, ça va être à l'hôpital. Exacerbation fréquente ou épisode récent d'évolution défavorable, ça c'est assez simple. Difficulté diagnostique, alors ça venait d'être évoqué, difficulté diagnostique. Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque chez un bronchopathe qui, au lieu de crépiter dans les alvéoles, frénouille dans les... Hein, c'est ce qu'on appelle le pseudo-asthme cardiaque. Ça siffle. Je ne sais pas trop. Je vais regarder l'électro... Hop, à l'hosto. Hein? Patient isolé, à domicile, personne pour s'occuper de lui, ça c'est simple. Vous êtes tout seul à la maison, hop, à l'hosto. Ouais. On est dans la vraie vie, hein. Vous m'excusez, hein. On est vraiment dans la vraie vie, mais bon. Mais ça va poser, ça nous donne toute l'indication des problématiques dont je vais vous parler après. Okay. Bon, disons que, voilà.
Comment diagnostiquer l'indication d'hospitalisation? Bon, ben voilà, hein, c'est pas très très simple, je viens de vous le dire. Donc, il y a un examen quand même, que j'aime bien. Premier message. Vous êtes pneumologue, vous n'avez pas le droit de vous passer de gazométrie. Si vous ne mettez pas de gazométrie, c'est mal. C'est mal, pourquoi? Parce que ça vous fournit un critère de gravité immédiat. Évidemment, vous avez la statue, vous voyez qu'elle est basse, mais déjà, deux fois, elle est basse. Bon, donc, qu'est-ce qui va vous intéresser? C'est de savoir si, surtout, vous êtes en équilibre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez ou non une hypercapnie? La réponse est oui, non. Et deuxièmement, si une hypercapnie existe, est-ce que votre patient est en état stable ou il n'est pas en état stable? Et là, dans une gazométrie, on a l'équilibre acido-basique. Donc là, on commence à être pragmatique. Je vais vous le prouver. C'est facile, vous le savez déjà, mais je vais vous le prouver. PO2 60, PCO2 60. Voilà, trois gaz du sang avec PO2 60, PCO2 60. Donc, même capnie, même PO2. Vous avez une situation 1, c'est une asphyxie. Hein? 62 PO2, 62 PCO2, 732 pH. La réserve à 25, c'est que le type, il a constitué son truc à toute vitesse. Il est en train de vous crever sous les yeux. Ça s'appelle une asphyxie. C'est pas un problème de PCO, c'est dépêchez-vous vite, 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 ça va cher. La deuxième situation, 60-60, c'est une hypoventilation alvéolaire chronique. C'est la même gazo, mais je vous ferai remarquer que la réserve est vachement élevée, le pH est à 7,39, coulosse. Et puis la troisième situation, c'est la nôtre. Évidemment. PO2 60, PCO2 60. Le pH, ça tremble trop là. La CO2 totale est 33. Ben là, vous êtes dans l'hypoventilation alvéolaire qui est en train de glisser doucement. Alors cet examen, eh ben, je vous dis tout de suite, vous n'avez pas le droit de vous en passer si vous êtes inquiet pour votre DPCO. Et ça va faire presque aussi bien à soi tout seul que plein de questions que vous vous êtes posées avec. Alors, maintenant, vous avez hospitalisé votre patient. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus du renforcement du traitement médical qu'on a vu? Eh ben, vous pouvez évidemment lui intensifier la kinésithérapie, que directement vous avez des gens pour ça, et prendre en charge un éventuel tabagisme. Le tabagisme est quand même beaucoup plus souvent fréquent qu'éventuel. Hein. C'est vrai que le patient ne fume plus depuis 3 jours parce qu'il ne peut plus fumer, mais en gros, avec quelques questions, je crois qu'il faut que ça s'arrête, on est bien d'accord. Bien, alors ça c'est clair, il faut le faire, mais il faut aussi donc identifier et le mettre sous kiné et arrêter le tabagisme, et puis il faut identifier les comorbidités. Parce que le malade n'arrive pas avec écrit sur le front ici, bah, j'ai une BPCO et puis j'ai rien au cœur, j'ai rien. Et non, malheureusement, on le sait que c'est pas comme ça. Et s'il y a des comorbidités, il faut les traiter. Certes, il faut arrêter le tabac, mais on sait très bien que, grosso modo, depuis ces études-là, la présence de maladies cardiovasculaires chez ces patients et la façon dont ils meurent, eh ben, c'est quand même souvent autant dans ce muscle creux et contractile que dans la dentelle de ses poumons. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Toutes les méta-analyses vont clairement dans ce sens. Hein. Augmentation du risque relatif de mortalité d'origine cardiovasculaire est corrélée au VEMS. Et donc, il faut quand même s'occuper du cœur. Donc, dialogue ou pas, mais quand on est à l'hôpital, il faut parler avec le cardiologue. On est d'accord, on a parlé avec lui tout à l'heure. Je m'amusais à la présentation tout à l'heure parce qu'on était en train de se torturer pour savoir si les bêta-2 faisaient du mal au cœur. Et nous, les pneumologues, on nous torture pour savoir si les bêta-bloquants font du mal aux bronches. Enfin bon, ça permet de créer le dialogue. D'ailleurs, les réponses ont été données par les bêta-2. Voilà, alors, vous avez le traitement, vous vous occupez de ce qui est cardiovasculaire et vous essayez de savoir s'il faut renforcer le traitement sur le plan cardiovasculaire, mais à l'hôpital, vous avez les traitements instrumentaux. Alors, vous avez l'oxygène. L'oxygène, c'est bien, ça fait du bien aux malades. Alors, attention, méfiez-vous, le renforcement de l'oxygénothérapie doit se faire sous contrôle des gaz du sang, parce que quand les patients sont en situation instable, vous le voyez bien ici, là, par exemple, vous avez en haut une courbe où vous avez la saturation qui est bien, vous mettez la PCO2 qui est à 57, vous arrêtez l'oxygène, alors évidemment, la saturation s'effondre, mais la PCO2 chute, et vous pouvez titrer, vous mettez une dose moindre d'oxygène, et vous essayez de faire attention. Est-ce qu'on peut faire plus et mieux? Alors là, je vais remercier Ketzoria, parce que je lui ai filé les passes arrière, comme au rugby, hein, pour demain, c'est lui qui va vous traiter de l'oxygénothérapie humidifiée à haut débit, qui est une technique qui est actuellement en cours de développement, qui est relativement confortable, qui améliore la clairance mucociliaire, qui diminue le travail respiratoire, il y a un petit effet de bœuf, ça aura peut-être une place validée dans la prise en charge des exacerbations de BPCO, c'est pas impossible, ça fait l'objet d'un exposé spécifique demain. Hop, passe arrière, c'est pas pour moi, mais écoutez bien, demain, il y aura des choses intéressantes qui sont dites par Ketzoria. Et si ça ne suffit pas, ben c'est la ventilation mécanique de préférence non invasive. Alors, la logique de la ventilation mécanique, on l'a vu ce matin en atelier,
c'est que vous avez une augmentation de la charge mécanique, évidemment, à cause de l'augmentation des résistances chez le patient, alors qu'il y a une diminution de la force neuromusculaire. Donc, vous passez en hypoventilation alvéolaire aiguë, la VNI, ça diminue le travail respiratoire et ça améliore les échanges gazeux. Alors, on est à l'hôpital. Est-ce que je peux ventiler en salle si j'ai une exacerbation? C'est là-dessus que je voudrais insister, plus que je le file au réanimateur, il se débrouille. Oui, si j'ai un patient en décompensation débutante ou s'il a été récusé par l'unité de soins intensifs. Situation dont on ne parle jamais dans la littérature, mais qui se trouve souvent dans la vraie vie. Celui-là, je ne veux plus le voir, il est trop pourri. OK? Ah ben oui, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je vous le donne, hein. Démerde-toi. Bien. Alors, on a des recommandations qui nous disent, attention quand même, hein, si le pH est inférieur à 7,25, la fréquence respiratoire supérieure à 35 et le Glasgow un peu bas, vous avez de fortes chances de vous planter, donc là quand même, il faut passer à l'AREA, sauf si vraiment elle n'en veut pas. Sinon, si vous voulez essayer en salle, il vous faut des équipes qui soient parfaitement entraînées et que vous ayez bien formé pour faire ça. Moyennant quoi? La chose n'est pas nouvelle. Regardez. Vous devez maîtriser les matériels, vous devez avoir de bonnes équipes, et moi j'ai fait ça pendant des années et des années, c'est quand même très bénéfique, et d'ailleurs ça avait été déjà en 2000 dans le Lancet publié par l'équipe de Plante qui disait, écoutez moi, j'ai pris des patients qui avaient des pH aux alentours de 7,30, qui n'allaient pas bien, je leur ai mis un petit coup de ventilation parce que je sais faire, et ça m'a drôlement accéléré les choses, et ça a évité, à mon avis, probablement plein de passages en réa, y compris dans cette étude qui était pas si mal randomisée. Et récemment, en France, le même message est passé dans la fameuse revue verte, hein, ventilation non-invasive dans l'insuffisance respiratoire en service d'ophtalmologie, avec Christophe Perrin, qui sait vraiment ventiler les patients, et qui fait ça, et qui, quand il prend des patients, le message est, si je suis à 7,30 ou au-dessus, et que je prends assez tôt un patient, j'ai de bonnes chances de gagner et du temps, et d'éviter qu'il s'aggrave. Et ça a même fait l'objet d'un éditorial, où je vous ai encadré juste ce qui était la notion à retenir, bien que ça puisse apparaître paradoxal. De plus en plus d'études laissent penser que traiter précocement en salle par VNI est plus sûr et efficace que traiter tardivement des patients sévères en unité de soins intensifs. Avant tout, il faut une importante augmentation des mises en place de VNI qui doit être anticipée dans les équipes, et pour ça, évidemment, les équipes, il faut les former. Je vais passer rapidement sur un exemple, parce que je pense que sinon je vais bouffer tout le temps qui m'est imparti. Donc je ne vais pas vous donner cet exemple de personne qui a été traitée en salle. Par contre, ici, je vais vous parler de la guérison de l'exacerbation. C'est un sacré programme, les guérisons de l'exacerbation. Si vous lisez ce qui est écrit dans la recommandation de l'HAS, normalement, votre malade, vous ne lâchez plus. Ah oui. D'abord, renforcer la prise en charge du sevrage tabasique et planifier une consultation de tabacologie. Et donner une conduite à tenir en cas de signe aigu. Donc ça veut dire que on éduque le patient. Alors on lui dit qu'il faut arrêter les clopes, d'accord? Consensus général des médecins, résistance des patients. Pourquoi il faut arrêter? Il faut répondre. Si on peut, il faut faire de la réhabilitation respiratoire, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'exercice physique, il faut que le sevrage tabagique soit poursuivi, il faut suivre l'éducation thérapeutique. Vous voyez le programme, on est dans la prise en charge des pathologies chroniques et il n'y a pas que pour la BPCO. Alors, tout à l'heure, quelqu'un posait la question de l'arrêt du tabac, ben, la réponse est donnée par les courbes de Fletcher. C'est sûr, quel que soit le stade, continuer à aggraver, continuer à fumer, ça va aggraver la situation. Ces courbes sont connues depuis des années et des années. Quel que soit le stade auquel vous arrêtez, ça fera vinaigre. J'ai juste, pour vous fixer les idées à ce sujet, une petite histoire vraie, qui est la vraie vie, alors là, celle qu'on vit vraiment, hein. Voilà un BPCO qui sort stade 3 avec un séjour de 9 jours, exacerbation, il a un traitement de fond, il a toutes les recommandations, il doit être revu dans 3 semaines, et il a un bêta 2 et un corticoïde. Il revient en urgence 8 jours plus tard, et il exige d'être vu en urgence, et il dit qu'il n'est pas bien. Ça énerve un de mes assistants qui y va, parce qu'il avait autre chose à faire, et il fait l'interrogatoire. Alors il fait l'interrogatoire. Vous avez pris votre Bricanyl? Il dit, ah non, docteur, vous avez vu la notice? C'est écrit en tout petit, mais je sais encore lire. Hein. Je veux dire, ça peut donner des tas de complications. Moi, je ne veux pas prendre ce médicament. Bon, d'accord. Bon, alors, il dit, mais est-ce que vous avez pris votre pulmicorde? Ah, ben, non, docteur, ça ne va pas, non, vous avez lu la notice? Alors, mais qui se fait toutes les complications des corticoïdes, ouais, je ne prends pas le pulmicorde. Alors, le docteur, il s'énerve, il s'agace, il regarde le patient, et il voit ce qui dépasse de sa poche. Il dit, et le paquet qui dépasse de votre poche, vous êtes arrivé à lire la notice? Elle n'est pas écrite trop petit? Donc, il y a quand même un problème à faire avec le tabac. Alors, un point, c'est juste pour garder le message, hein, soyez incisif. Un point qui reste à préciser, hein, ben, quelle est la place des multiples associations qui nous sont proposées comme critère principal d'efficacité?
Et ben là, c'est là que je remercie Ali de vous avoir expliqué les là-bas, les là-bas, les machins, les trucs, parce que là, je ne rentrerai pas dans ce débat. Si l'on en croit la multitude des études qui sortent à ce sujet, on aurait pu voir d'exacerbation tant on nous dit que c'est efficace. Hein, je veux dire, ça me rappelle un petit peu les courbes que l'on voyait et qui guérissaient le cancer avec les chimiothérapies, les courbes s'écartaient, on faisait avec toutes les études que j'ai vues comme ça, il n'y a plus avoir un cancer qui meurt. Un manque de bol, ça continue. Alors là, c'est pareil, on a un petit peu de mal encore. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vrai chapitre, c'est-à-dire la prévention des exacerbations. Il y a quand même un travail important à faire. Hein, okay. Ce travail, c'est que les exacerbateurs fréquents, ils ont une moins bonne qualité de vie, ils ont une mortalité plus élevée, ils ont un déclin plus rapide de la fonction pulmonaire, et ils ont une inflammation accrue des voies aériennes. Ça, on le sait. Donc, l'HAS nous dit qu'il y a quelques points clés, et que, grosso modo, ces patients, il faut les éduquer, il faut vérifier les actions qu'on fait, il ne faut pas les laisser sortir sans qu'on sache qui va les suivre, un contact téléphonique est recommandé, etc. Donc, tout. On a des recommandations, on dit, il n'y a plus qu'à les faire, mais vous voyez, hein, ça va être... C'est du boulot. Alors, moi, je crois que ce qui est plus intéressant, là, dans les messages, c'est de poser la problématique. On dit, on va éduquer nos patients, on va les surveiller, mais est-ce que nous, déjà, on sait bien faire? Est-ce qu'on sait, nous, dépister les exacerbations et surtout, apprendre à nos patients à dépister leurs exacerbations? C'est une problématique qui est vraiment en cours de construction. Alors, quand vous regardez comment on construit ça, on a des outils de surveillance et de dépistage des exacerbations. Et donc, il faut absolument essayer de savoir comment on décrit l'état de base de nos patients, parce qu'ils partent d'un état de base, et vous allez des gold 1, 2, 3, 4. Hein. Donc déjà, ce n'est pas écrit ici, ah ben moi j'étais stade 3. Hein. On doit avoir un petit peu de boulot à faire. Et puis, là-dessus, est-ce qu'on va se baser uniquement sur les EFR? Et puis, après, une fois qu'on aura l'état de base, parce que nous, les EFR, l'instant, nous, c'est bien, VEMS, boum, clac, tac, etc., c'est bien, moins si, ouais. Et après, une fois qu'on aura déterminé l'état de base, c'est comment est-ce qu'on détermine la stabilité de la situation par rapport à un état de base qui n'est pas toujours génial. Alors, état de base de la BPCO, moi, je trouve que l'approche la plus pragmatique, c'est par rapport aux déterminants du pronostic qui ont été mis dans la littérature. Alors, on a des déterminants. Je vais aller à toute vitesse juste pour faire la synthèse de ce que je trouve le plus intéressant et pour ne pas bouffer mon temps de parole, puisque je vous fais passer en dernier et qu'on a commencé qu'une demi-heure de retard. Hein, donc, l'état de base de la BPCO déterminant du pronostic, puis j'aimerais bien écouter Bijarias. L'état de base de la pathologie de fond, quel critère? Alors, le critère du VEMS, pour nous, évidemment, c'est 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de souci. C'est un assez mauvais prédicteur du pronostic, hein, je vous signale. C'est un moins bon prédicteur du pronostic que la Disney. Vous voyez, suivant qu'on a une Disney sur l'échelle MRC, on a beaucoup moins bon pronostic quand on est très essoufflé à l'état de base que quand on l'est moins. C'est un moins... D'ailleurs, on peut le mettre objectivement, on peut l'objectiver parfaitement avec des tests de marche qui disent exactement la même chose. Enfin, quand un BPCO commence à perdre du poids, cette perte de poids, c'est le début de ce qu'on appelle la cachexie respiratoire, et c'est pas de bon pronostic. Et je crois que le meilleur score qu'on ait encore trouvé pour l'instant, et que moi je faisais dans mon service, hein, je veux dire, c'est le scoreboard. Ce scoreboard, il est très bien, parce que c'est un B pour BMI, O pour obstruction, D pour Disney, E pour effort, donc vous voyez... vous avez, alors évidemment, hein, plus est haut, plus c'est péjoratif. Par exemple, si vous faites, vous avez un point si vous faites moins de 21 km², mais vous voyez, si votre VEMS est dans la zone inférieure à 35, vous en prenez 3. Si votre Disney est que c'est 4, vous en prenez 3. Vous faites votre scoreboard, et là, vous avez un espèce de pronostic. Un, vous avez classé votre patient, et deux, vous avez en dessous, là je vous montre, un pronostic en fonction du score qu'il a, et ça c'est une bonne chose, c'est bien d'avoir classé vos patients en bold, je vous conseille de le faire. Deuxième chose, la problématique clinique, c'est distinguer les symptômes. Alors, vous avez classé votre patient en bold, c'est pas si mal. Distinguer les symptômes de base de ceux qui marquent l'exacerbation et détecter les exacerbations. Alors, pour ça, on a des scores qui ont été publiés dans la littérature. Vous en avez un premier, un score anglo-saxon, c'est le score exact. Ça demande un relevé de calendrier quotidien du patient, qui n'est pas très simple à faire, et d'un certain nombre de ces symptômes. Et en fait, la problématique est la suivante. Ce qui est intéressant, c'est la problématique. Quand vous voyez arriver ici, sur un fond de BPCO, vous voyez cette petite ligne de vaguelette, vous avez des accès de sévérité. Alors, vous avez ici en ordonnée le score exact. Ce serait bien que je prenne une flèche. Là, il y en a une. Je ne sais pas. Ah ouais, il y en a une. Ah oui, elle est bien, cette flèche, en plus. Hein, oui. Alors, vous avez ici, donc, je ne sais pas, ici, là, vous avez là... La durée que ça prend,
l'intensité de l'exacerbation, le retour à l'état de base, et puis ici, vous avez une exacerbation qui est moins longue et qui dure pas très longtemps. Vous voyez ? Et après, il va falloir analyser, dans ce truc-là, ici, l'intensité de ça et la durée de ça, pour savoir si vous êtes revenu ou non à l'état de base. Et ça, c'est les symptômes, hein, les respiratory symptômes que vous avez ici, que le patient doit noter. Bon, est-ce que ce score a été validé? Écoutez, on peut dire qu'il a été raisonnablement validé dans cette étude. En tout cas, il a une assez bonne reproductibilité, mais il est surtout intéressant et pas très utilisable, si on va aux conclusions. Et pas très utilisable, sauf pour faire des études. Ça, faire des études, c'est drôlement bien. Hein, mais dans le quotidien, il est difficile à utiliser. Mais c'est intéressant parce qu'il est une base de réflexion sur la façon de faire. Et en France, cette base a été reprise, et en particulier dans un article dans la revue VET, qui a été publié en premier par Franck Soyez, qui est peut-être dans la pièce, en tout cas, il est au congrès, et qui nous dit, on va faire un autre score qui s'appelle ici l'Exascore. Vous voyez, il pompe un petit peu, hein, mais... C'est plus pragmatique, l'Exascore, et c'est paru assez récemment. Hein, c'est-à-dire que, là encore, le gold standard, c'est pneumologue. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous prennent des patients, dont 56 en exacerbation et 70 en état stable, donc c'est le pneumologue qui dit si c'est exacerbé ou pas. Et là, il arrive à les classer, en fonction des dossiers, en sans exacerbation, exacerbation pouvant être autogérée, vous voyez, exacerbation justifiant une consultation médicale, et exacerbation justifiant de rentrer à l'hosto vite fait sur le gaz. D'accord ? Et avec ce score qui est construit ici, on a une courbe ROC qui est tout à fait raisonnable. Et moi, je trouve qu'il faut continuer à faire les travaux dans cette direction parce que le score n'est pas très compliqué à faire pour les patients. Vous le voyez ici. Hein, il code, je crache beaucoup. 0, 1, 1, 2, 3... 1, 2, 3 ou 4, et pour chaque symptôme, il arrive à coter ça, et ce score arrive à être différentiel, c'est-à-dire qu'il arrive à vous distinguer suivant ce que vous avez, s'il peut rester à la maison, s'autogérer, doit voir le docteur, ou rentrer à l'hôpital. Et cette démarche me paraît assez satisfaisante, et en même temps assez éducative. Je vais conclure sur les scores. Pour l'intérêt certain de mener des études, pour mener des études cliniques, un intérêt clinique immédiat pour le médecin décisionnaire qui a encore discuté, mais je trouve que ça c'est une opinion personnelle, c'est un intérêt important pour les soignants et les patients, parce que si on commence à faire ces scores, ça va nous faire parler un langage commun aux patients, aux médecins, en ce qui concerne l'identification de leurs symptômes. Et puis alors, on va finir par le cas particulier des patients sous VNI chronique. Alors ceux-là, on n'a pas de problème métaphysique, on sait qu'ils sont graves. Ça fait aucun doute puisqu'ils sont ventilés sous oxygène. Donc ces patients-là, là, pas la peine de leur demander leur gold de machin et truc, hein. Ils ont une machine. Eh bien, les démarches actuelles qui sont intéressantes, c'est que les machines nous fournissent des tas de données et que quand on les compare, par exemple, à ce qu'est le score exact, étude qui a été faite ici par Jean-Christian Borel pour les premières publications, eh bien, on voit l'intérêt du suivi de ce que nous donnent les machines et que nous sommes maintenant capables de télésuivre. Vous pouvez télésuivre l'augmentation rapide de la fréquence respiratoire sous machine, puisque la machine vous la balance par les satellites quand vous faites un suivi, et vous savez que bien que ça se corrèle assez bien au fait que le patient est en train de glisser. Et il y a une autre équipe qui vient de le publier aussi, hein, Blouet, Sutter, Fresnel, Patou, Cuvelier, vous voyez, on voit qu'on a des courbes ROC tout à fait correctes, et si on apprend à utiliser les renseignements que nous donnent les machines chez les patients qui ne peuvent pas les donner, on va peut-être pouvoir anticiper les poussées d'exacerbation chez les patients les plus graves, et ceci grâce aux avances technologiques qui se font au fil des années et qui font que de plus en plus, on a des données qui sont fournies, qui sont patients indépendants, et actuellement, ces outils logiciels sont à l'étude, en particulier en France, dans le cadre du projet ETAP, qui démarre depuis un an et demi, où les patients les plus graves ventilés sous VNI, dans le cadre de projets qui sont d'ailleurs financés et en même temps qui sont des études faites financées par les tutelles, à condition que les études soient faites, suivies et avec des critères qui sont parfaitement à remplir, ça permettrait de se passer de la collaboration du patient en ayant des outils qui sont destinés là aussi à la prévention. Voilà. Donc les points clés de tout ça, c'est après la sortie, il faut évidemment mettre en route la réhabilitation respiratoire, organiser la coordination des soins, leur entraînement à l'exercice et tout ça. Et la conclusion, c'est que la priorité actuelle en termes de santé publique, c'est à l'établissement, à mon avis, de filières de soins qui permettent de prendre en charge la surveillance
de ces patients BPCO, qui est le seul facteur qui pourra vraiment, à mon avis, diminuer la morbimortalité. Voilà. Et ça, ça se fait dans les centres qui savent faire. Et on peut créer dans un centre, comme il y en a d'ailleurs à Rouen, comme il y en avait à Ligny, comme il y en a dans les grandes cliniques du Nord, des filières où les gens rentrent en aigu en réa, ont le passage en salle de soins de pneumologie, derrière des SSR, et tout ça dans une filière qui est coordonnée avec plusieurs spécialistes, des kinés et des gens qui savent. Je vous remercie.